une des spécificités des territoires ultramarins. Et pour moi, en fait, en matière d'usage numérique, une fois que les difficultés liées à la connectivité sont levées, c'est en fait d'utiliser le numérique comme une vraie réponse aux contraintes de mobilité, d'accès aux services publics et de déploiement des échanges économiques. Une deuxième spécificité des territoires ultramarins, c'est aussi lié pour moi à la problématique de la gestion des crises, dont l'occurrence augmente avec le changement climatique. Et des travaux de recherche ont montré que d'un certain niveau de contrainte naissait la créativité. Eh bien, je vous invite à être particulièrement attentif donc à toute l'ingéniosité développée par les territoires ultramarins pour en fait gérer ces crises liées au changement climatique et les prévenir. En effet, à une période, vous voyez, où on parle beaucoup de résilience, des réseaux, des usages numériques face au changement climatique, eh bien, regardons avec attention ce qui se passe dans les territoires ultramarins, car ils sont vraiment pionniers sur ces questions. Les élus des territoires ont une attention de tous les instants à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. En fait, c'est leur ADN, c'est le sens de leur engagement, et quelle que soit la taille de leur collectivité. C'est à travers en fait ce prisme qui emprunte d'humanité, et non pas en pensant tout de suite au numérique, qu'ils vont s'organiser pour développer des actions sur les territoires. La transition écologique est désormais au cœur des politiques de tous les territoires. Elle est un levier puissant, très intéressant, pour déployer des projets qui permettent de satisfaire la double exigence de nos concitoyens, améliorer leur qualité de vie et bien vivre ensemble tout en préservant leurs ressources. Au service de l'ensemble de ces politiques, le numérique est un accélérateur de transition écologique. En conséquence, eh bien, quand on met en place des politiques de décarbonation à travers le déploiement des énergies renouvelables, de préservation de l'eau, de préservation de la biodiversité, eh bien, en fait, on va disposer ainsi de piliers sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour ancrer prioritairement les politiques d'aménagement numérique. Donc c'est une vraie chance pour les territoires ultramarins de s'appuyer sur l'ensemble des politiques qu'elles mettent en place en matière de transition écologique. En outre, une question très importante quand on s'intéresse à l'aménagement numérique d'un territoire, c'est la question de la souveraineté des données qui transitent par les infrastructures de connexion. Et compte tenu des caractéristiques géographiques et de gouvernance des territoires ultramarins, la recommandation qui est formulée dans le cadre de la mission Territoires connectés et durables de développer des jumeaux numériques souverains co-construits entre l'État et les collectivités est un levier puissant pour pouvoir développer une politique donc, qui prend tout son sens en matière de protection des données. Pour développer des services et des solutions numériques prioritaires, il est indispensable d'œuvrer à un échelon de mutualisation qui soit suffisant. Cet échelon de mutualisation, il peut correspondre tout simplement à l'échelon départemental ou régional qui a été choisi pour développer les infrastructures de connectivité dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Cette mutualisation, elle est nécessaire, tant pour atteindre une taille suffisante de marché pour les industriels qui vont répondre aux collectivités pour développer des usages, que pour se doter en interne de compétences d'ingénierie qui sont rares et coûteuses. Un autre intérêt majeur de ces structures de mutualisation, c'est qu'elles vont être en mesure de porter des catalogues de solutions qui vont pouvoir être mises en œuvre par l'ensemble des membres et qui vont être bâties en concertation avec eux. Donc on rajoute un échelon de gouvernance intéressant à travers la mutualisation. Et puis c'est aussi des structures de mutualisation qui agissent au sein de réseaux tels que la VICA ou la FNCCR dont elles sont membres. Et ça c'est un point extrêmement important. Et puis, lorsque la réponse locale d'ingénierie sur un sujet particulier n'existe pas, les territoires ultramarins disposent de tout l'accompagnement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à travers les 400 aides en ingénierie qui ont été développées par l'agence en partenariat avec le CEREMA, la Banque des territoires, l'ADEME. Donc, les territoires ultramarins, à travers la mutualisation et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, disposent de tous les atouts pour pouvoir mener à bien leurs projets numériques.